Yo les gars, comment vous allez? Stéphane Avi, ni suiveur, ni suceur. Moi, je dis tout ce que je pense. Voilà. Il y a encore ce frustré de Vitolas qui a encore frappé. Moi, sans vous mentir, faites la vidéo que j'ai vue. Enfin, je ne suis même pas abonné à sa page. J'ai vu ça sur YouTube. Ça m'a fait rire en fait. Ça m'a fait rire. Et puis, j'ai eu beaucoup de compassion pour ce dernier-là. Parce que je me dis peut-être qu'il est en train de péter les plombs. Tu peux naître naturellement bête, c'est possible, mais lui en plus de ça, je sais que il a pété les plombs. Parce qu'il paraît que c'est l'un des artistes qui a traîné beaucoup d'artistes dans la drogue. Donc peut-être que cette drogue-là lui monte à la tête, donc il a commencé à peut-être perdre la tête. Franchement. Dans ma vidéo précédente, tu as vu que j'étais un peu doux avec toi. Je te ferai même pas le plaisir de t'appeler vieux. Parce que tu réfléchis comme un enfant, tu réagis toujours comme un enfant sur la toile. Je ne peux pas concevoir qu'un homme de toi qui a dépassé la quarantaine puisse venir se comporter sur la toile comme s'il avait à peine 15 ans. Ou on va dire 16-17 ans. Je peux comprendre que tu n'as rien foutu de ta carrière. Dieu t'a donné un talent immense malgré ta bête-été. À cause de ta bête-été et ton manque d'intelligence, tu n'as pas su en profiter. Je peux comprendre ça. Donc tu es beaucoup frustré. Mais il y a un truc qui nous, particulièrement nous les fans, qui nous gêne. Tu vois cette réconciliation de Didier Arafat et de Bordeaux là. Voilà. C'est la chose que les gens qui n'imaginaient même pas. Ils s'imaginaient même pas ça. Et nous, à force de prier, à force de les emmerder sur les réseaux sociaux, Dieu merci, on a atteint cet objectif-là. Donc quand un bouvier de ton genre, un bouffon de ton espèce, vient sur la toile, comme un envoyé du diable, vient créer encore des discordes, là, nous, ça nous dérange. Personnellement, moi, grand fan de Bordeaux Likoufa, désormais, je dis désormais, grand adepte de Didier Arafat, ça me dérange. On s'est dit une vérité. Tu sais quoi? Je sais qu'il y a beaucoup comme toi hein, qui racontent quoi que de Bordeaux est devenu le lèche-botte de Didier Arafat, est devenu le lèche-cul de Didier Arafat, est devenu le suiveur de Didier Arafat. Puis même l'assistant. Bref, dis ce que vous pouvez dire. Mais nous, personnellement, on s'en fout. Voilà. On s'en fout éperdument. Parce que c'est des personnes comme vous là. Les personnes de mauvais sens, de mauvais esprit là. Les personnes au cœur noir là, c'est vous qui désirez toujours voir ces deux lampes là. Parce que toi, vu que tu vois quand tu fais ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Que de Bordeaux pète les plombs. Tu dis peut-être que ce fou l'entraîne, il dit peut-être c'est la vérité. Et puis crée encore une discorde. Mais je peux te rassurer que ça ne va pas arriver. Mais avant de continuer mon allocution, il faut que je m'adresse à Didier Arafat et de Bordeaux. Les randos. Voilà, je sais que chacun de vous a déjà regardé mes vidéos, vous me connaissez personnellement, mon artiste de Bordeaux me connaît personnellement. Je veux même pas vous voir répondre à ça. Voilà, je veux même pas. Parce que le problème, c'est quoi? Ils sont tous conscients que cette union-là fait toujours tache d'huile. Donc ça ne les arrange pas. Ils ne désirent que vous voir séparés. Donc je veux même pas vous voir répondre à ça. Voilà, répondez à des artistes de votre rap. Au Booba, au Kaaris, au Lafouine, peut-être au MH, même s'ils sont nouveaux, ils ont une grande cote, au Niska, aux artistes de votre rang. Mais Vitu Lolas, quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, actuellement, je peux vous dire où il est. Il est allé pour un gombo de, je crois, 75 000 ou 150 000, la Soubré. Actuellement, il ne joue pas, il a Soubré. Il doit rentrer aujourd'hui. C'est toi comme ça que tu as venu parler de Didier Arafat et de Bordeaux. Les deux sont allés en banque là-bas là. Ceux qui sont en banque savent combien ils sont rentrés avec au pays. Les petits sont gris, ils te disent ça aujourd'hui. Voilà, raconte que de Bordeaux est le suiveur de Didier Arafat. Tout qu'on fait, ce n'est pas une union où ça tu vas voir Didier Arafat et de Bordeaux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on voulait seulement même qu'ils se promènent même matin, midi, soir ensemble. Qu'ils expriment leur amour, qu'ils cachaient par leur orgueil là. Voilà, et puis c'est arrivé. Donc, c'est pas toi, un vanipier comme ça, qui ne connaît rien, qui ne sert à rien dans cette musique-là, qui a venu ouvrir ta gueule pour venir dire
des Bordeaux à 45 ans. Tu vois, c'est pathétique, quoi. C'est déplorable de ta part. Parce que tu te comportes comme un vieux con. Oh, je sais que tu as des enfants. Je sais que tu as une petite amie. Ça te plaît qu'on t'insulte matin, midi, soir sur la toile? Frustré, imbécile, bâtard, chien, idiot, bousier. Tu nous fais croire que ça te glisse sur le col, mais au fond, ça te fait très mal. Ça te fait très très mal. Parce que si ça te faisait pas mal, tu serais pas en train de faire des directs où tu as à peine 10 personnes qui te suivent. Toi, vite, tu le lasses. Or, il me semble qu'on dit qu'il y a au moins 15 ou 18 000 personnes qui te suivent. Je sais même pas si 18 000 personnes qui te suivent, pourquoi? Peut-être pour regarder tes bêtises, parce que ça les amuse. Tu peux pas venir créer Discord entre les deux là. C'est impossible. S'il y a Discord, c'est que c'est Dieu qui a décidé. C'est pas vous. Les gens de votre espèce, ça, c'est même pas vous. Un, tu n'as rien. Deux, tu ne vaux rien. Trois, tu n'as rien fait de ta vie. Quatre, tu ne comptes pas. Moi, ce que je peux reconnaître de toi là, c'est que on m'a dit et on me dit toujours que tu as une boîte noire. Tu fais beaucoup pour les artistes dans le noir. Au niveau de leur discographie. Mais personnellement, toi, tu es nul. Ta personne même est nulle. Parce que toi, vu que tu as commencé à chanter avant ces petits-là. Tu as nous parlé de Chamakwana. Avant Chamakwana, tu n'as pas chanté. J'ai donné rendez-vous là à pas petit. On te connaît? Mais toutes ces miettes que tu as pu rassembler, tu as fait quoi de ça? Actuellement, tout ce que tu exprimes, c'est de la jalousie parce que. Tu as vu ces petits-là qui ont commencé petit aujourd'hui. Ils se sont fait un nom. Ils ont beaucoup de fans. C'est ce qui gêne beaucoup de personnes dans ce coupé décalé là. Dans cette musique ivoirienne là. C'est que DJ Arafat et De Bordeaux ont les meilleurs fans. Ils ont beaucoup de fans. Et vous allez comprendre ça aujourd'hui à San Pedro. Vous comprenez un peu? Donc fais-tu roulasse. Faut pas te mettre dans ça. Nous tout ce qu'on te demande là. Cache-toi. Va un peu à l'église. Agenouille-toi. Prie un peu. Demande à Dieu de te donner un peu de succès. Voilà, c'est pas en faisant les vidéos à la con là que tu vas te faire un nom. Et ils vont pas te répondre. Nous, on te donne ce nom, là, ce petit buzz que tu veux là, on te donne ça. Qui réfléchit derrière l'eau dans ta tête. C'est pourquoi je dis toujours, mine de rien, cette musique ivoirienne là, il n'y a pas de professionnalisme. Moi, artiste déclaré au Burida, la SACEM, tu as venu t'asseoir, prendre caméra, m'insulter mon petit frère, mon. Il y a longtemps, il y a collé le processus sur toi. Et puis tes miettes que tu n'arrives pas à récolter là, tu as collé ça. On va aller prendre l'avocat. Et puis on s'explique devant le tribunal. Est-ce qu'il dit toujours, les gens ont peur de parler, les gens ont peur de s'exprimer. C'est quand tu ne connais pas tes droits, tu as peur. Nous, si là, on a résolu ça. École là, on a fait aussi. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut bien m'inquiéter. Parce que moi, il y a une dévigilée toujours. Toi, tu dis, tu me guettes. Je dis, tu m'attrapes. Faut me tuer. Mais si tu m'as égratigné, qui t'attrape, Dieu sait ce qu'il peut te faire. Donc si tu n'as rien fait de ta vie, n'en mette pas Didier Arafat et De Bordeaux, surtout De Bordeaux, s'il te plaît. Ce ne sont même pas tes camarades. C'est vrai, tu es très vieux que, très bête que. Ils ne sont pas bêtes, je lui dis que tu es bête, tu es vieux. Mais ce n'est pas le même truc. Moi, si tu es à ta place là, il n'y a pas honte. Tiens les gars, pardonnez, viens faire un fils, le mousser un peu. C'est ça un vrai homme. Le sens de l'humilité. Votre orgueil vous prend tellement. Vous pensez que non, c'est quelqu'un dans mon coin, on me dit non, je suis petit loulas. Tu souffres. Tu souffres. Et tu n'essaies à rien. Si tu es malin, faut te calmer. Calme-toi, rentre en studio et prie pour qu'un son que tu vas faire à ta machine. Parce que je sens que tu commences à péter, et puis ça ne va plus. Ça ne va vraiment plus. Ça ne va plus. Vous qui parlez à côté, qui débordez là, vous allez voir. Et tellement que vous êtes maudit, quand ce dernier va faire sortir un dernier, vous allez vous cacher dans les boîtes de nuit, dans vos salons, dans vos douches pour danser ça. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Ça, c'est pas la malédiction. On est tous impatients que notre artiste débordez fasse sortir un son. Mais ne faites pas chier la toile, hein. Ne faites pas chier le monde. Voilà. Moi, quand je me plains surtout de mon artiste, c'est pour ses écarts de langage, pour ses colères exorbitantes sur la toile, c'est tout. Sinon, moi, il sait que le mec, il a toujours fonctionné comme ça, il a toujours procédé comme ça. Donc, ferme vos gueules. Aussi, toi aussi, vite, c'est à toi que je m'adresse.
Bon, dit Dieu.